train de contrôler le Hamas dans la bande de Gaza, qui est assiégée par l'occupation israélienne. Le régime qatari poursuivit son plan vicieux visant à séparer la bande de Gaza de l'autorité palestinienne afin de céper les efforts internationaux en faveur de la réconciliation palestinienne. Selon le site israélien Oula, révélé la coordination entre le Qatar et le Hamas pour financer une zone industrielle à passage Karni, qui est un passage près de la bande de Gaza à l'intérieur de les frontières israéliennes. Le Hamas a convenu avec le gouvernement de Doha de renforcer la séparation de la bande de Gaza de la Cisjordanie sur le plan économique afin de permettre au mouvement de prendre le contrôle de la bande de Gaza et contrôler sur la population de la bande de Gaza, a-t-il déclaré. La nouvelle zone industrielle sera construite sur le site de l'ancienne zone, qui a été fermée après le 10 ans engagement de la bande de Gaza, a-t-il déclaré. Nous nous préparons à financer le projet qui renforce le contrôle d'Hamas dans la bande de Gaza et renforcer son autorité séparatiste et entrave les efforts visant à former un gouvernement d'union nationale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, a-t-il ajouté. L'État qatarien était une continuation du système de pays visant à renforcer l'obstruction des efforts de la médiation internationale et arabe pour parvenir à la réconciliation entre le peuple palestinien afin de faire face aux violations de l'occupation israélienne et la restauration des territoires palestiniens.